Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une journée spéciale puisque aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Bref, je vous disais qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale pour moi dans le sens où j'avais envie de vous faire une vidéo pas prise de tête, avec pas forcément beaucoup d'infos, juste un truc un peu fun. Du coup, aujourd'hui, je mets à l'épreuve avec un Drawing Disney Challenge. Je vous explique. Vous avez sûrement remarqué juste ici qu'il y a un petit pot avec plein de noms. J'ai eu l'idée un peu saugrenue de dessiner des personnages Disney avec les yeux bandés. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je tente. Du coup, j'ai mis une dizaine de noms de personnages Disney pas trop difficiles à dessiner dans ce petit pot. Et on va voir ce que ça va donner. Il faudra être indulgent avec moi parce qu'avec les yeux bandés, c'est loin d'être évident. Voilà, donc je m'équipe et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis équipée avec mon petit carnet, mon petit stylo et mon masque pour ne rien voir. Je vous propose de ne pas laisser durer le suspense plus longtemps et de piocher le premier nom. Ce suspense est intenable. Alors, je vais commencer par dessiner Buzz l'éclair. C'est parti. Je mets mon masque sur les yeux que j'ai volé Air France. Et alors, j'ai pas mis le crayon en mode avec la bonne couleur, du coup je sais pas du tout sur quoi je vais appuyer. Je fais juste la tête du personnage hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ne soyez pas méchant s'il vous plaît, je sens que le résultat va être très rigolo. Et son petit menton avec une forme bizarre. Je lui mets des boutons avec des grandes épaules. Vous êtes prêts à découvrir le résultat? Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut dire que c'est un gros fail, non? Oh, j'ai honte, j'ai honte. Ce qu'on appelle le dessin de la loose. Mais bon, peut-être que le prochain sera plus facile. Bon, pour le second dessin, j'espère piocher quelque chose d'un peu plus simple, parce que Buzz l'éclair, c'était pas franchement le personnage le plus facile à dessiner. J'ai le deuxième nom en possession, et ce sera donc Nemo. Et c'est parti. Prêt à découvrir mon chef-d'œuvre? 1, 2, 3, c'est parti! Oh, j'ai un problème en fait pour mettre les visages sur les corps des personnages. Eh, en vrai, c'est pas si mauvais que ça, c'est juste que j'ai un petit peu de mal à mettre les visages des personnages sur les corps, mais c'est pas si mauvais que ça. On a la petite nageoire et tout. Je suis pas si mécontente que ça. Enfin, comparé à cette horreur là. Changement de page pour un nouveau personnage. Cette fois-ci, je vais tomber sur... J'aimerais bien tomber sur Mickey, ça serait plus facile, je pense. Zip. Zip, je suis prête à te refaire le portrait. Pression. J'espère que le visage sera au bon endroit, parce que c'est ça qui m'inquiète. C'est l'heure de la découverte. Eh, je vous jure, c'est pas si mauvais. Eh, franchement, on le reconnaît quand même. Bon, d'accord, il manque 2-3 petits détails. Il a un œil sur son anse. Mais c'est pas si mauvais, franchement. Je suis fière de moi. Bob Razowski. Je sens que celui-là, il va avoir une tête particulièrement rigolote. Allez, on découvre. Il y a des idées, ceci dit. Hein. Et voilà donc mon chef-d'œuvre. Il a une tête rigolote quand même, non? Je vous propose de déformer un dernier personnage. Roulement de tambour, qui sera le dernier sur ma liste?
Minnie Mouse. Bon, j'espérais Mickey, je déteste Minnie, mais au moins ça s'approche à peu près. J'espère que je vais réussir à la faire bien cette fois. Et je m'applique en plus, hein. Un, deux, trois. Je crois que j'ai réussi à faire pire que les précédents. Voilà les amis, c'est fini pour ce Disney Drawing Challenge. J'espère que ça vous aura amusé autant que moi. Dites-moi dans les commentaires quel personnage pour vous j'ai le mieux dessiné. Si ce genre de vidéo vous plaît et si vous aimeriez voir ça plus souvent sur ma chaîne. En tout cas, moi je me suis super bien amusée et je plains les dessinateurs qui verront ma vidéo parce que j'ai franchement dégommé les têtes des personnages. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de bisous, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye! Abonne-toi!